les mecs. Voilà. Ils poussent sur le vérin qui est en panne pour diriger la nacelle. C'est incroyable. Donc ils ont soudé cette barre là, c'est un IPN hein, tout simplement, pour pouvoir diriger les roues. Waouh, ils ont des idées à la suite, mais franchement voilà, regarde, nickel. Tu vois Nino? Waouh, ça fait quelque chose de voir là. Les cinq se sont alignés parfaitement au niveau des indications du constructeur. Parfait. De ce côté et ce côté. Et là, c'est le chef d'orchestre. Wow. Tu vois, il y a même un gars qui descend en bas. Oh là là, ouais, super. Il vérifie que... Il y a un gars qui s'est mis à plonger pour vraiment bien les mettre. Et voilà le super valve. Ouais, franchement les gars ils font les choses bien. Non franchement on a attendu 24 heures de plus mais nickel. Alors cette intervention c'est 100 $ US, mais on gagne énormément de temps si c'est bien fait, le cachard est bien passé. Bon moi j'avais gratté la coque hein, en amont hein, parce qu'il y en avait pas mal hein. T'aurais voulu le passer, Nuno? T'aurais voulu gagner 100 $, hein, c'est ça, hein, hein? T'aurais voulu les gagner, les 100 $. Ah, le balancier. Quelle force qu'il faut, là. Voilà. Seeper sorti de l'eau. Un anti-fouling qui a été passé il y a un an et demi avec un bon coup de Karcher. Franchement, je suis bluffé. Donc c'était un de chez International, un Micron 99, et c'est ce que nous allons remettre également. Ça m'évitera de mettre une sous-couche. Et Vincent, alors j'ai gratté, on va changer également les anodes. Et Vincent participe déjà. Salut! Et je m'en souviens quand on était sur The Sunshine, il avait quoi? 6 ans Vincent? 6 ans de moins? Et il m'aidait déjà. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Et c'était où? On l'avait sorti où? The Sunshine, à l'époque. À Gruy. À Gruissant. Eh oui, à Gruissant.
Voilà, là donc il gratte l'hélice. Et donc c'est des hélices, pour information, chose que je ne savais pas, ce sont des hélices Volvo. Ouais, alors c'est la référence de la Volvo, c'est la 50-18. Bon à savoir. Je vais me le noter parce qu'on ne sait jamais. Et donc c'est de l'alu, hein. C'est même pas. C'est des hélices en alu. J'aurais pensé que c'était du bronze, mais non. Donc on va bien gratter également. Et là, au niveau des joints, je vais mettre à nouveau là parce que ça part. Je vais tout enlever et je vais refaire un beau joint comme il se doit. Mais sinon c'est nickel. Non mais sinon, franchement, là on va faire un coup de polish. J'ai une polisheuse spéciale parce qu'il y a des coulures là un peu là. On va changer la bande également. Et voilà. Là on va passer plusieurs couches parce que où il y a les niveaux de frottement de l'eau justement. Et c'est là où l'anti-fouling érodable s'enlève le plus vite. Chose normale. Mais dans l'ensemble, du moins, je suis content. Je suis vraiment content. Impression. Hein? Les impressions. T'as changé de couleur de peau. Oui. J'ai changé de couleur de peau, comme tu dis. Ça m'a fait du bien. Vas-y, mets-toi la tête à la lumière qu'on voit bien. Il est quelle heure là? Je sais même pas. Je sais pas. Ouais, je donne à fond là. Hein. Ouais, mais j'ai tribord effet. Côté bâbord intérieur c'est fait, il ne me reste plus que celui-ci. Ce côté à poncer. Demain polish pendant 2 jours, intérieur extérieur. Donc on sera à 3 jours. Il restera 2 jours pour passer l'anti-fouling en 3 couches. 2-3 jours matin, temps de sécher, l'après-midi, deuxième couche. Et on met le bateau à l'eau l'après-midi, donc dernière couche. Le matin. Voilà le programme. Thank you.
anniversaire. Joyeux anniversaire Saint. Joyeux anniversaire Vincent. Joyeux anniversaire. Allez, tu peux souffler. Oh là là, ça fait de... Encore, voilà. Allez, ouais, on... bravo pour tes 12 ans. Pour que ça, ça... Oh là là, ça en a mis sur le gâteau. Oh ben on mangera de... Attends, non, ça se mange pas. Ça se pourrait, hein, que ça se mange, mais ça m'étonnerait. Non, c'est de la cire, ne mange pas, Céane, c'est de la cire. Tiens, regarde, on va dans les... C'est moi qui coupe, c'est moi qui coupe. Non, mais tu enlèves la cire qui a coulé, tu la mets là. Voilà. Et on t'a fait un petit mot, Vincent. Il va revenir après. C'est moi qui l'ai fait. Il est réussi, le cadeau. Hein? Tu veux pas lire? Après. Regarde le meilleur pour la fin, tu sais, c'est toujours le meilleur pour la fin. Bah, c'est pas ça, Vincent? C'est... Alors, Vincent, tu veux comment? Tu veux un quart? La moitié d'un quart? Vincent, t'es la première. Par quoi, moi? D'accord, bah, c'est moi. Alors. Allez, on va procéder. Oh, mais on va... Donc, au vu de la notice, ce primaire sera utilisable pendant une heure. Mais protection surtout pour les yeux. Les gants. Voilà. Allez, parti. Et ça, c'est de la résine. Très bien. Et on verse l'intégralité du pot. Là, c'est bien mélangé. Voilà. Avec la résine. Voilà. Et là, on verse. Hop, on ferme, on le met à l'abri de la chaleur, voilà, et ça c'est le primaire d'accroche. Donc on met bien des lunettes de protection surtout. Ça va te brûler. Ah ouais. Mais à la fin, tu veux que la coque elle soit de quelle couleur? Alors, je sais pas de quelle couleur sera là. Ah, la coque elle sera noire. Pour l'antifouling que j'ai pris de chez International. Voilà le résultat. Après 3/4 d'heure d'application, donc du primaire. Donc c'est un primaire avec de la résine. Hein. Comme vous avez pu le voir, à mélanger un pour un. Donc j'ai fait attention au maximum de ne pas en mettre sur la node, mais bon, je vais la gratter à la fin quand même. Voilà, je vois ce que ça donne. Et donc là, on est parti pour au minimum 6 heures de séchage. Voilà, voilà. Combinaison de travail pour l'antifouling. Donc pendant une demi-heure, j'ai mis tête en bas
pour mélanger l'antifouling. Malheureusement, je n'ai pas de malaxeur, ce qu'il aurait fallu. Moi, bon, j'ai des touillettes pour mélanger. Donc pendant une demi-heure, voilà, tête en bas. Donc, ça pèse son pesant d'or. Donc c'est bien du International Micro 99. Donc c'est du top du top. C'est pour les pêcheurs de chez... En somme, c'est pour le Jotun, c'est l'équivalent du Jotun rouge pour les cargos, pêcheurs, etc. Il va m'en rester, forcément, parce que entre deux couches et la dernière couche de... pour la ligne de flétaison, il faut 14 litres, grosso modo, j'en ai 20. Donc il va m'en rester un petit peu. Voilà, prêt, enfin prêt pour passer l'antifouling. Donc j'ai également un diluant, il faut mettre 1%. Voilà, prêt, les touillettes, tout ça. Alors ça va être très difficile pour moi de peindre et de filmer parce que Kiki s'est fait les devoirs et elle n'a pas le temps de me filmer. Voilà, donc on fait avec les moyens du bord. Gants, lunettes, casquettes et recouvrement intégral pour se protéger, l'essentiel. Allez, on attaque. De finir la première partie qui consiste à mettre une première couche sur toutes les, sur tous les éléments de la coque qui ont une friction sur l'eau. Donc à savoir le devant du safran, en bas du safran, au niveau de la quille, tribord bien sûr, bâbord également, voilà, tout le bas où il y a des frictions à l'avant de la quille, voilà, de chaque côté, ainsi qu'à l'avant de la coque où il y a toute la friction qui se fait. En somme, c'est l'eau qui a, c'est là où l'eau attaque le plus. Hein. Quand j'ai sorti le bateau, c'est Pearl, toute cette partie était partie déjà. Ainsi qu'à l'avant de la quille et à l'avant également des safrans. Voilà, donc là il y a une première couche qui est mise. En total, il y en aura 3. Plus sur la ligne de flottaison où j'y mettrai un produit reconnu pour son efficacité. Mais sinon, c'est, je le rappelle, hein, elle avait 1 an et demi, hein. Elle est nickel, un coup de Karcher et tout est parti. Yo, on arrive à la fin là bientôt. Depuis 8h30, j'ai mangé 3 quarts d'heure. Et nous voilà aujourd'hui, lundi 22 janvier 2024, pour la dernière phase de l'antifouling. Donc voilà, j'ai passé la première couche d'antifouling. J'ai passé également ce matin la deuxième passe pour les hélices. Donc c'est tout à fait normal que ça soit jaune, c'est la partie deuxième part, en somme c'est la deuxième partie de chez Humple, il est là. Donc voilà ce que j'ai mis. Et là c'est la deuxième partie du Silice One et la dernière partie ça sera du Silice One et donc c'est l'anti-fouling en lui-même. Hein. Voilà. Et maintenant, je m'apprête à passer la couche sur la ligne de flottaison. Et pour cela, j'ai acheté sur Amazon, que j'ai fait venir dans mes bagages, de la poudre de cuivre. Donc j'ai acheté 2 kg. C'est sachet fait 1 kg.
et le cuivre est pur à 99,5%. Donc 1 kg équivaut à 1 kg, du moins 1 litre d'antifouling. Donc je vais le mettre là, je vais mettre les 2 kg, je vais mettre à peu près 2 litres de international, hein, on continue, hein, de Omicron 99. On va bien malaxer tout ça et je fais la ligne de flottaison. Et avec ce qui me reste, j'aurai passé les 20 litres. Hein. C'est incroyable, mais entre les aspérités, etc., etc., il lui a fallu, je pense qu'on va lui mettre facilement 20 litres d'antifouling. Mais je devrais être peinard au bas mot pour 15 mois, voire croisant les doigts pour 24 mois, parce que je me vois pas faire ça tous les ans. C'est waouh, c'est cassant. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, c'est bien connu. Voilà, donc j'ai versé dans une bouteille d'eau les 2 kg de poudre. Et là, hop là. Voilà le pétrole, moi, comme je l'appelle, parce que franchement. Donc on va malaxer tout ça d'abord à l'intérieur avec la malaxeuse. Il sera rendu un peu plus liquide. Et après je transvase à peu près 2 litres d'antifouling. Mais voilà, c'est terminé pour la couche, troisième couche au niveau de la ligne de flottaison. Donc je vais vous montrer qu'on voit bien la démarcation entre l'antifouling de hier, qui est pourtant la même couleur, et celle chargée aujourd'hui de cuivre. Alors là je l'ai fait sur 20-25 cm parce que toute la prise là, il n'y avait plus de, ici il y avait plus d'antifouling érodable, tout avait été bouffé, c'est normal, au niveau de la quille aussi. Mais voilà, donc là on voit bien, je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais de là à ici, c'est l'antifouling international avec le cuivre mélangé avec le malaxeur, et le reste c'est l'antifouling classique. Et là je vais passer la deuxième couche. Donc là je vais regarder de l'antifouling avec chargé en cuivre, pour la simple et bonne raison, c'est que quand on va me relever le bateau, je vais devoir passer de l'antifouling sous les quilles. Voilà, et je vais également en profiter de charger à nouveau à ce niveau-là 20 cm d'antifouling chargé de cuivre. Parce que j'ai constaté que là aussi il y en avait pas mal. Et là, pas mal de coquillages quand on est au mouillage. Alors pour eux, c'est vraiment l'idéal. Quand ils commencent à devenir fatigués, l'antifouling. Ils ont tendance à se mettre ici. Bon, ben voilà. La fin des travaux. On se rend à la capitainerie de Tiralbe. Je vais vous montrer le bateau. Comme il est neuf. Il est brillant. Il est tout neuf. Il est magnifique. On lui a fait un rétif extérieur. Ouais. Mais toi, tu t'es occupé des enfants. Donc comment ça s'est passé ta semaine, toi? Ben on va dire que ça s'est passé, il était temps que ça finisse. Ouais. Parce que au niveau tout ce qui est intendance, ben, je veux dire pour les douches, pour faire la vaisselle, et encore, etc. Heureusement que nous étions là, si Pearl est là, les douches sont juste derrière. Donc on n'avait pas grand chose à faire. Heureusement qu'on avait les sanitaires à côté, parce que sur le bateau, évidemment, on ne pouvait ni utiliser les toilettes, douches, ni pour faire la vaisselle, l'évier, tout ça. Donc c'est moi qui. Évidemment, l'intendance. C'est ça. Et moi les travaux. Voilà, ben là nous sommes à la capitainerie. On nous a dit 13h, il est 13h. On va s'acquitter. Je vous dirai combien on a payé. On a très peu consommé. On a très peu consommé d'eau, parce que déjà elle n'est pas potable ici, ça il faut le savoir. Et ce n'est que pour, j'ai un ami qui nous a prêté un Karcher, encore merci à toi, et tu te reconnaîtras, tu le sais. Et résultat des courses, on a consommé que ça,
Après, l'électricité est à volonté. C'est 8 $ US par jour. Voilà. Bon, ben, à nous. C'est là où tout se passe. Alors ça, les amis, je suis agréablement surpris. On sort de la marina. Alors, je vais résumer en somme ce qu'on nous a payé. On a payé 6 jours de mise à terre, avec le grutage bien sûr. Donc, hein, voilà, ceci, les pauvres, ils sont toujours en train de pousser, à tirer. Hein? Ils m'ont dit que le trou, je peux me le faire. Oh non! Ouais, non! Il faut que je trouve, que j'aille cet après-midi, je vais leur chercher une pelle. Ah, le pauvre! Ça va, c'est que 60 cm. Hein. Ah bon, ça va. Non, parce que quand je vois celui-ci, là, avec son safran. Ah non, non, moi. Lui, il est à 1m50. Je dois descendre de 60 cm, mais sinon, il faut que je fasse venir la grue, le monter. À chaque fois, je crois que je vais leur demander combien ça coûte pour le monter et le descendre. Ok. Bon, ben, nous sommes les prochains. Donc là, il y en a un et nous, on sort à 14h. Donc je résume. On a la facture. Nous avons payé. Alors, nous, double bonne nouvelle parce que en dollars US. Alors attends, pardon. voilà. On a payé 1000 en dollars US, on a payé 474,30 €. Mais la machine à US est ne fonctionnant pas, elle nous l'a converti en ici. Donc j'ai payé en ici. Et quand je fais la conversion, ça nous fait 440 € pour 6 jours où j'ai loué l'échafaudage qui est là, 15 $ pour la semaine. Nous avons loué l'échelle pour monter à bord et avec la consommation d'eau. Bon, je dis, on a dépensé 41 gallons d'eau, donc c'est vraiment pas grand chose, mais voilà. Et l'électricité, à volonté avec 8, comme je le disais tout à l'heure, 8 $ par jour qu'on en consomme ou pas. Voilà, donc agréablement surpris de Tiralbe. On recommande. On valide. Alors maintenant, je vous présente tout ce que nous avons fait sur Sea Pearl. Et croyez-moi que j'ai pas chômé. Donc, il a été mis le stick de chaque côté tribord bâbord Sea Pearl. L'anti-fouling, comme je le disais, donc tout le bas c'est semi-érodable international Micron 99. Et toute cette partie, on voit la différence, c'est du cuivre mélangé avec de l'international. Tout ceci également recouvert avec du cuivre, le safran. J'ai mis les nouvelles anodes. J'ai repeint également le sail drive et les hélices avec Ample. Je vous dirai à la longue à quoi ça... si ça fonctionne bien ou pas. Donc les nouvelles anodes de chaque côté. Donc souvenez-vous, hein, c'était blanc, le primaire d'accroche, puis après un silicone de couleur jaune et la finition anti-fouling noire. Voilà, moi je suis plus que satisfait du boulot. Bon, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Mais alors voilà, on a changé l'anode et on a mis également une nouvelle frise. On a mis une nouvelle frise. Voilà. Et on a là également Sea Pearl. Donc les amis au mouillage, n'hésitez pas venir nous voir, nous faire un coucou, ça sera toujours avec un grand plaisir.
dosage après, hein. Voilà. Il est dans les airs, notre bébé, notre troisième bébé. Parapluie? Eh ben, je pense que tu vas devoir l'ouvrir. Mercredi 24 janvier, on vient de quitter à l'instant Tiral Bay à Cariacou. Nous y avons passé 8 jours où on a fait l'antifouling, tout ça et tout ça. On a fait la clairance de sortie. Alors il faut savoir que quand on va à la station service, il faut fournir notre clairance de sortie. Ils nous remettent un petit papier qu'il faut à nouveau aller au custom pour le faire valider pour qu'on puisse avoir l'essence. Alors on a pris 60 litres d'essence pour la génératrice et également pour le dinghy, le moteur. On n'a pas payé de TVA. Voilà, donc c'est une bonne chose. On a fait quand même par rapport à la France, pour 60 litres, on a fait 30 euros d'économie. C'est pas négligeable. Voilà, bon, ben on va jeter les cannes pour la première fois. Espérons, croiser les doigts, qu'au bout de quoi, Vincent, 3 heures, hein, 3 heures après avoir... jeter les cannes, on avait attrapé un poisson, hein. À un moment donné, en 15 minutes. Ouais, une fois en 15 minutes, c'est vrai. Mais la première fois, je crois qu'en deux heures. Bon. Et c'est ma canne fétiche. Donc on va la mettre à l'eau. Toujours à Ignode aujourd'hui. On va aller faire quelques courses. Et on rentre dans le mythique petit pont. Il est bien étroit, ouais. Allez, tout. Ok. Non, c'est bon. Tiens. Super. T'es un chef. Un copain qui s'éclate. Voilà leur bateau, leur kata. Ils viennent manger à la maison, du moins à la maison, sur le bateau ce soir. Allez, on va charger les bouteilles. Il faut décrocher la rame. Ouais, on va aller remplir nos bouteilles de gaz à Union. Allez, décroche, maman. Je vais vous montrer où c'est. Salut.
Ouais, s'il te plaît. Mais avant, avec le torchon, hein. Donc c'est ici que nous faisons nos recharges de bouteilles. Ah, il faut le dire. On y va. Non, vous nous attendez, Vincent. Vous nous attendez. C'est un peu artisanal, mais c'est comme ça ici. Donc il va se servir d'une grande bouteille pour recharger la petite bouteille. Et ici c'est une boutique pour recharger, pour réparer les moteurs Yamaha. Il fait servir Yamaha, Taochu, Mercury, Volvo. Donc si vous êtes dans les parages et que vous avez des ennuis, ils sont compétents. Et surtout pour le gaz. La Kiki, les enfants, ils partent à la plage voir l'école de Kate. Ah, tout simplement, la loi de la gravité. Et je lui posais la question, mais vous les chargez, vous, parce que moi, quand je le fais sur le bateau, quand j'ai assez de gaz, je mets une balance. Et je pèse, il me faut 3 pour cette petite bouteille, il me faut 1,7 kg de gaz. Et en, au total, c'est 3,7 kg bouteille en incluant le gaz. Et là, il me dit qu'il le fait au feeling. Incroyable. Bon, ben c'est nickel. Voilà, donc vous savez, si vous avez des bouteilles à charger ici, à remplir, vous venez ici et ils vous le feront. C'est 70 ici les bouteilles bleues. Celle-ci, elle me coûtera un petit peu moins cher. Je vais essayer de la négocier à 50 ici. Mais sinon, les bouteilles de 2,75, je crois, c'est ça, kilo de gaz, c'est 70 ici. Bon, c'est raisonnable, sachant que nous avions fait une demande à Bekwe. L'échange standard, c'est 60 dollars ici. Bon, ici on est aux Grenadines, donc c'est toujours un petit peu plus cher. C'est connu. Et là, je suis dans la caverne des pièces à réparer. Ben, t'es un petit Yamaha sans doute à réparer. 15 chevaux, enduro, un Yamaha, Mercury. S'il y a besoin de pièces, il y en a ici. Alors le gars qui est en train de me remplir les bouteilles était en train de m'expliquer que de ça là, wouhou, ils en font, donc ils sont en train de tout dessiquer à l'intérieur. Ils vont tout repeindre, ils vont tout reprendre. Il n'y a pas mieux que le bois. Il n'y a pas mieux que le bois. Et ils vont en faire, hein. Il m'explique donc. Qui va en faire un speedboat. Parce que speedboat, hein? Yeah. Ils vont en faire ce genre de bateau. Non, mais ils sont super habiles de leurs mains ici, hein, les gens. C'est beautiful. Magnifique. Ouais, c'est pour les touristes, hein? C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Pour apporter, c'est pour transporter les touristes, ça. Ah, ils vendent des bracelets aussi. Ah, ils vendent des bracelets? Non, moi, je... Ah oui. Eh bien, les mecs, ils travaillent la résine, l'époxy. Ça sent, hein, ça sent fort, hein. À la meule, là. Ils en veulent, les gars.